Bonjour tout le monde. À matin, on se réveille avec un beau point de vue. Qu'on a trouvé sur iOverlander. Une petite application pour ceux qui font du boomdocking puis qui cherchent des fois des spots un peu special. Fait que là, on est en train de se faire chauffer des petits œufs. C'est un petit classique. Quand on est sur la route, là, ça nous dépanne pour manger sur le pouce. Puis ça fait des bonnes protéines. Puis aujourd'hui, on planifie peut-être d'aller voir une petite microbrasserie. Fait que comme d'habitude, on roule. On arrête à des places pour profiter de la plage. En Nouvelle-Écosse, ben c'est cool. Il y a plusieurs parcs provinciaux. Il n'y a pas gros du millage à faire entre chaque pour pouvoir profiter des différents points de vue et des différentes qualités de sable et de Playa del Sol. Et en plus, aujourd'hui, ben, il y a du gros soleil. Fait que. Puis il va faire chaud parce qu'on va profiter de l'eau fraîche un peu. Fait qu'on profite des derniers moments tranquilles à Lismore, à côté de mes petits orfes en attendant que ça cuise. Parce qu'après ça, ben, on retourne sur la route, mais c'est trop plaisant le matin de même de prendre son temps, de manger des petites toasts, se faire chauffer de l'eau pour se faire un petit café, puis ben, on profite de la vie, c'est ça les vacances, on prend ça mou, fait que vivement, ma batterie était faible sur mon téléphone. En même temps, on dirait qu'un chien, ben, il a de l'air à trouver ça dur, les vacances. Il est comme... Il est un peu mou. Il est un peu mou, le chien, en vacances. Tu sais, à la maison, ben, il est tout le temps tranquille avec les chats. Puis là, ben, il fait ce qu'il veut. Tandis que là, c'est nous autres qui décident un peu de son rythme. Ça fait que, pauvre petit chien. Il a l'air à avoir chaud. On dirait que la misère a s'enduré. Mais, c'est ça la vie d'un chien. Qui suivent, c'est un chien. Even if I try to leave, you still make me wanna stay. You ask me to believe in the words that you say, but I can't be strong. Faire un petit tour au phare qu'il y a ici, tout cute. On en profite en même temps pour profiter du temps pour prendre un petit café relax, s'asseoir un petit peu à l'ombre parce que on n'a pas l'air climatisé dans le Troc.
Ouais, ben, un matin, on vient d'arriver à Sand Point. On a quitté la partie nord pour tomber dans la partie est. Puis ça, c'est le genre de setup que j'aime de la partie est. C'est des belles petites plages pas compliquées où il n'y a pas personne parce que c'est des petits villages qu'il y a partout. Tranquille. Fait que. Mouche. Fait que ça nous permet de profiter un petit peu plus de notre voyage à la cool. Parce qu'on peut même improviser notre spot pour dormir parce que là on est arrivé cet matin. Mais c'est une place où ce qu'on aurait pu facilement passer la nuit sans déranger personne. Puis en profiter, il y avait même une petite place pour faire un feu. Déjà tout bien aménagé. Tu arrives avec ton bois puis tu fais tes affaires, c'est cool. Fait que là, ben, on continue tranquillement, pas vite, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui. On profite de la belle température. C'est un peu chaud, ça fait que je pense qu'on va se tenir sur le bord de l'eau. On va être ça aujourd'hui. Rouler un peu, aller sur le bord de l'eau, rouler un peu, aller sur le bord de l'eau. Ça fait que c'est ça le setup aujourd'hui. On va tout le monde montrer ça un petit peu au fur et à mesure. Il fait tellement beau qu'on a décidé, ben, j'ai décidé de venir m'installer sur le bord de la grève, sur les petits cailloux avec Adélard pour venir manger notre petit déjeuner qu'Adèle nous a fait, un bon petit déjeuner. Avec des œufs puis des petits cocons, tout ce qui traînait dans le frigidaire. Là, on avait une salade qui traînait, on s'est mis ça là-dedans. Puis poivré, salé, rien de compliqué. Il faut que ce soit simple en vacances, on se casse pas la tête. Mais ça goûte bon. Sur notre petite trip, comme on s'en voit tout à l'heure. On vient de prendre une grosse décision, on a décidé qu'on allait jusqu'au bout. On s'en va au bout, à Little Dover, Dover, je sais pas trop. Moi, je suis pas bon en anglais, hein, tu sais, I speak English very well. Fait que, on s'en va au bout. Ah ouais, c'est ça, on va vous le filmer ça, là, quand on va arriver au bout. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Ok, là c'est comme un peu. Ça continue encore. J'aime un peu moins ça. Voyons donc. Aïe aïe. Ah ouais, ouais, check, y'a tout le monde là-bas. Sac, y'a des maisons. Bon, on est rendu comme. C'est ça, chez quelqu'un d'autre. Mais. On peut monter en haut et s'en virer de bord. Genre, on peut carrément juste s'en virer de bord aussi. Ouais, mais comment on va faire pour faire se retourner, hein? Bon, je l'ai déjà vu bien qu'à ça. Ouais, un peu coudant. La vie, ça va? Peut-être assez pour faire des réponses aussi. Ah, peut-être là, ouais. Youf! J'aime mieux voir quand on arrache. Hein? Ah, je trouve pas trop dans la roche.
Ouais, ben on a fini par arriver au bout, mais c'est assez épeurant. Là, la route, à un moment donné, on disait qu'elle plonge dans l'eau, puis le fond, c'est la petite gravelle lousse. Fait que c'est toute une aventure. Hein. Ça a été bien plaisant. Fait que ceux qui veulent s'aventurer dans ce coin-là, ben... Take a kayak, allez-y pas trop vite, allez passer direct dans une croche. Puis comme on dirait, plein de petits spots où on peut passer la nuit. Là, il y a tellement personne qui vient ici, à part les 2-3 personnes qui restent au bout du bout. Je pense pas que si on se trouve un petit coin quelque part, qu'on va déranger grand monde. Là. Il y a comme de l'eau ces deux bords. Là. Fait qu'il y a une petite place. On va vous montrer ça. Ouais, fait que c'est... C'est comme ça, là, c'est bon pour tout le monde, ça. C'est sur le bord du chemin. Ah, c'est l'océan. Une belle petite place tranquille. Puis là, ben, on le voit pas, là, mais au bout du chemin, là, il y a un char rouge parqué dans le croche, là. Lui, je pense qu'il s'est trouvé un petit spot pour chiller à soir. Et quand j'ai vu ça, je pensais que c'était le bout du chemin, mais quand j'avançais un petit peu, j'ai vu que ça tournait encore. Mais tu sais, il a dû faire comme moi, il a fait 500 pieds, il s'est rendu compte qu'il était rendu chez quelqu'un d'autre, c'est qu'il a reviré de bord, c'est pas que là, quand je passe à la limite, beau petit spot. C'est son spot à lui, on ira pas le déranger, ça fait que nous autres, on continue. Je pense que j'ai vu sur iOverlander un autre petit coin où on pourrait passer la nuit, nous autres, dans ce genre-là. Là. Tranquillos, en plein milieu de nulle part, qu'on dérange personne. Ça fait qu'on court après ça tranquillement, pas vite, là, parce que l'heure avance. Ça fait qu'on continue à rouler sur les petits chemins de terre. Yeah. Ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on mangerait si bien pour souper à soir, je vous ai amené un échantillon. Des bonnes petites boulettes, cordon bleu. Yeah! C'est bon des boulettes avec de la sauce. Exemple. Le petit setup. Avec un petit pain. Ben de la sauce. Après un petit pain. Ouais, ça ressemble un peu aux boulettes chez Ikea, mais style un peu français, là, avec un peu de sauce brune, puis sel poivre. Pour compléter le tout, ben pas pour compléter, mais ça prend un petit peu de salade. La petite salade de chou, vinaigre, sel poivre, pognon au dépanneur. Après ça, quand on est en vacances, on aime bien goûter local, fait que là, ben sur le bord du petit feu qui est en train de crépiter, je me suis emmené une petite bière. C'est une petite bière que j'ai vue sur l'étiquette qui venait du Cap-Breton, qui est pas bien ben loin d'où c'est qu'on est. Ouais, oh, chien. Un chien est en train de manger. La petite sauce, là, c'est pas bon, ça. Monsieur, non. C'est pas bon pour les chiens. Mais c'est parce que là, je suis en train de m'occuper de mon téléphone, c'est ça qui se passe. Fait que ouais, c'est ça notre philosophie, c'est quand on se promène, on arrête en quelque part, ben on se ramasse tout le temps quelque chose de local. Fait que là, ben on est parti sur la petite bière, puis sur le petit vin Adèle, c'est un petit rouge de... Foreskins. Ouais, c'est ça, Foreskins. Quatre pots. Mais c'est quatre pots de pommes, on dirait que sur l'étiquette. Ah, c'est des raisins qu'il y a là-dedans. Ouais, ben coudonc. Quatre pots de raisin. C'est ce qu'elle dit. On ne sait pas. C'est des suppositions. Fait que c'est ça le setup à soir. On se fait un petit feu. Ouais, j'ai fini par faire un feu. Tu sais, jamais que quand je suis en vacances, j'en profite pour faire ça. Je suis tout le temps trop occupé à faire d'autres choses que chiller, on dirait. Hey, filmer. Hey, on va manger ton assiette, là. Hey, le chien. Ah, le chien, je te dis. C'est comme un enfant. Faut tout le temps le watcher. Ouais, il est là. C'est notre enfant, on l'emmène en vacances avec nous autres.
Fait que c'est ça, trop occupé pour se faire des petits feux parce que là, on filme, on prend des photos, on boit de la bière, on rencontre du monde, on pète de la broue. Mais on fait jamais de petits feux. Mais là, à soir, assez, c'est assez, on fait un petit feu. Il faut profiter des petits feux. On n'en fait pas assez, des petits feux. Mais à soir, on se consacre à ça. Je me suis coupé. Ouais. J'ai pris de l'avance tout à l'heure quand Cadel faisait un petit somme. Ben, j'ai sorti ma chainsa électrique. Elle est où ma chainsa électrique? Voyons. Et là, ma chainsa électrique. Puis je me suis fait un petit peu de bois de poêle, ouais. Ça devrait être site. Ouais, il doit à peu près un huitième de corde. Quelque chose de même. On ne sait pas. J'ai pas sorti mon galon. Mais ça crépite et ça nous chauffe la couenne. C'est ça qu'il faut. Fait que j'ai bien du plaisir. Moi, comme Adèle disait, je suis en voyage, surtout pour ces petites affaires-là. Mais ça a pris l'avant-dernière journée avant de pouvoir en profiter. Mais je vais pouvoir dire au moins j'en ai profité. Ouais, je vais pouvoir dire ça. Ça fait que là, ben je vais vous laisser avec ça. Moi, je vais aller manger mes petites boulettes avant qu'Alfredis soit là, là. Avant qu'il se fasse manger par les mouches en plus. Puis on s'en va demain. Direction sûrement le camping de la famille Moffitt. Murphy. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'enligne là, on va aller vous présenter ça, cette belle petite place-là. Petite place familiale, fait qu'on vous présente ça demain. Ah, ça fait que c'est ça qu'est ça. À demain!